C'est le moment que redoutent tous les parents. Le premier jour de la rentrée est souvent fort en émotions. Entre l'appréhension et l'excitation, c'est souvent un moment dont on se rappelle pendant longtemps. Et pour classe égale à HRL Alizé, c'était ce matin. La chanteuse de 37 ans installée en Corse avec son mari Grégoire Lyonnais et ses deux filles. Anneli, née en avril 2005, et Maggie, née en novembre 2019, coulent des jours heureux avec les siens sur l'île de beauté. Ce matin, c'était donc une grande journée pour la petite dernière de la famille. Puisque Maggie vient d'effectuer ses premiers pas à la crèche. C'est Alizé qui a partagé l'information sur son compte Instagram mercredi 1er septembre. Celle qui a été séparée pendant une longue période de son compagnon a fait une belle annonce en story à ses 821 000 abonnés. Avec une photo de la petite Maggie de dos, toute mignonne dans sa petite robe blanche à imprimer. Il semblerait qu'elle était particulièrement contente de commencer cette nouvelle étape. D'un pas décidé pour la rentrée à la crèche, écrit-elle en taguant au passage son amoureux pour qu'il ne loupe rien de ce beau moment. Après des vacances en famille et un beau mariage au milieu de l'été, il est donc venu l'heure de laisser la petite Maggie s'amuser avec ses petits copains à la crèche. Très proche de sa fille, on imagine que l'épreuve a dû être plus compliquée pour l'interprète de moi. Point. Lolita. Une belle étape de franchie pour la petite dernière qui n'en est pas à sa première découverte sur les derniers mois. Après une période plus difficile, les choses vont mieux pour Alizé et même s'il est toujours difficile de laisser son enfant pour la première fois. On imagine que les retrouvailles ont été très joyeuses.